On peut dire que c'était un mariage très attendu. Lady Amelia Spencer, la fille de Charles Spencer et nièce de Lady Diana, a enfin dit oui à son compagnon Greg Mallet, a révélé ce mardi 21 mars en exclusivité mondiale le magazine anglais Hello. Fiancée à son compagnon depuis le 22 juillet 2020, Lady Amelia a finalement pu s'unir avec lui lors d'une cérémonie en Afrique du Sud dont la date exacte n'a pas été précisée. Auprès du tabloïd, les deux mariés n'ont pas manqué de témoigner de leur joie de pouvoir enfin célébrer cet événement. « Se marier ici signifie tellement pour moi. Ayant grandi ensemble ici ces 14 dernières années, tous mes meilleurs moments et ceux de Greg en tant que couple sont en Afrique du Sud. Si est encore plus spécial maintenant », a déclaré la jeune femme de 30 ans, tandis que son époux a déclaré de son côté, « Je rêvais de voir Amelia descendre l'allée depuis 14 ans, lui qui avait confié auparavant qu'il savait quoi Amelia était la fille de ses rêves. » Parmi les présents pour cette grande fête, la sœur jumelle de Lady Amelia, Lady Eliza, leur grande sœur Lady Kitty et leur petit frère Samuel ont tous assisté à la célébration et ont partagé cette joie en compagnie de leur sœur. En revanche, le père de la mariée et frère de Lady Diana, Charles Spencer, semble lui n'avoir pas été invité à la cérémonie. Quant aux princes Harry et William, cousins de la mariée, aucun n'a fait le déplacement jusqu'en Afrique du Sud pour assister aux épousailles et à la joie de cette noce. Le prince Harry, en pleine tourmente avec la famille royale britannique, n'a peut-être pas jugé bon de se rendre à ce mariage, tandis que le prince William a de son côté sûrement été retenu au Royaume-Uni suite aux préparatifs du couronnement de son père, le 6 mai prochain. Diana, ses sublimes nièces, Amelia et Eliza Spencer, font sensation au défilé Versace Lady Amelia Spencer, sa connexion spéciale avec sa tante Diana alors qu'elle n'avait que 5 ans au moment de la mort tragique de sa tante Lady Di, Amelia Spencer avait confié en 2020, toujours auprès de Hello Magazine. Ressentir une forme de connexion avec l'ex-princesse de Galles, j'ai le sentiment d'avoir une nature pleine de compassion, j'espère que si est quelque chose dont j'ai hérité d'elle. Diana était une icône incroyable, elle a touché le cœur et la vie de beaucoup de personnes, avait-elle notamment déclaré. Très marquée par cette disparition, la jeune femme, en compagnie de sa sœur, avait également exprimé ses regrets de ne pas avoir assez connu la sœur de son père, et ne garde que des bons souvenirs et des sentiments chaleureux à son égard. Des paroles qui ont dû faire chaud au cœur de ses deux cousins royaux. Crédit Photo, Agence.